Bonjour. Alors, vous avez bien aimé la dernière fois. Donc, bonjour à tous et à tous, ici Pinocorp, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pinocorp, le 13e normalement. Donc, vous avez bien aimé apparemment la dernière fois me voir en gros plan. Alors, boum. Voilà. Oui, vous avez des délires chelous. Ah. Non, voilà. J'ai ma souris qui fait du caca. Il faudra que je la change parce que j'ai des problèmes sur MOSX. Donc voilà, aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode. Alors, on va pas démarrer un nouveau projet. On a un projet dans le Nether qu'il faudra qu'on commence un jour. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils sont au courant. J'ai des problèmes avec Orange. Je me fais toujours faire dessus. Enfin bref, j'ai la connexion que quand ils veulent. Et en l'occurrence, ils veulent jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez eu des épisodes de Splatoon en retard, etc. Enfin bref, voilà, aïe. Me dis pas que j'ai pris des dégâts, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode assez sympathique avec pas mal de trucs. Normalement, on va faire entre 4 et 5 trucs. Ça fait 4 et demi. Non, tais-toi. Je vais vous montrer la salle des coffres que j'avais déjà commencé. Enfin, j'ai déjà creusé, commencé la salle des coffres. Pardon? J'ai déjà commencé à creuser la salle des coffres dans le dernier épisode, mais je voulais pas vous la montrer parce que j'étais pas prêt. Donc aujourd'hui, on va y faire un petit quelque chose. On ira faire beaucoup de PVE et on fera peut-être le duplicateur de rails qui est là-bas. Non. Là-bas, voilà, merci. Quand je vous dis que j'ai des problèmes avec la souris, qui est derrière là-bas. Donc avec beaucoup de four et tout, parce qu'il y a des slime blocks. Donc on fera ça peut-être aujourd'hui. Donc on va déjà descendre dans la salle des coffres, on va y faire un petit quelque chose. Donc déjà voilà, tout ce que j'ai creusé c'est ça. Donc les coffres seront ici. Et il y aura sur certains, je dis bien certains et pas tous, un système de tri. Voilà, c'est le système classique. Je pense pas que je ferai le système de tri avec vous, parce que bah, il y a du tuto qui l'explique très bien sur internet et que c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Une fois que vous l'avez vu une fois, vous pouvez répéter le. Pourquoi j'entends des chats? Ils sont là-bas pourtant. On s'en fout. Vous pouvez répéter le modèle, c'est ça, plusieurs fois. Donc déjà pour commencer, on va y faire un petit ascenseur parce que bah, nous on aime bien quand c'est bling bling. Hein. Les échelles en bois, c'est moyen. Donc on va enlever tout ça. Et on va faire donc notre petit ascenseur. Redstone, blood. Ok. Donc c'est un ascenseur à slime, enfin un ascenseur. Un jump entre guillemets avec un slime. Donc on va déjà mettre un piston collant, un slime. Bien sûr, faut pas oublier les fours avec les blocs de slime. Les blocs de slime, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bloc qui colle tout autre bloc adjacent. Donc par exemple, ce bloc de slime peut adhérer à celui-ci, celui-ci, celui qu'il y a derrière et celui-là. En l'occurrence, celui qui va être collé à ce face. Pour ne pas que des blocs se collent et soient en mouvement quand le piston va bouger, il faut mettre soit des fours, de l'obsidienne et un troisième. Les jack-o'-lanternes peut-être marchent aussi. Ouh, j'ai un vieux doute là. Je veux pas dire de bêtises, je sais plus. On va faire point de redstone, répéteur, répéteur, les deux à 4 tics. Ici, ne pas oublier le four. Et là, j'ai pas ma diorite. Et là, reboucher. Voilà. Ce qui fait que quand on va marcher, donc on va être là sur nos petits coffres et tout, on va être content, on va ranger, et puis on en a marre, on sort. Plaque de pression, boum. Alors, c'est un boulet qui vient de vous présenter ceci, puisque bien sûr le boulet a oublié. Oh, vilain. J'ai oublié un four, donc forcément le slime block ne redescend pas. On va aller en chercher un. Donc c'est quand même beaucoup plus classe hein, comme sortie. C'est clair que les échelles, c'est moyen. Aïe. Là. Alors non, par contre, on va le mettre. C'est quoi? C'est pas ma pioche, on va prendre soi. Voilà, on va le mettre de ce côté-là, parce que j'aime pas le devant des fours. C'est moche. Voilà. Il y a plus classe, hein, pareil, mais bon, c'est pas grave. De toute manière, ici, on va mettre des rangées de fours. Là.
avec un système de cuisson automatique. On n'a pas besoin de remplir les fours à la main, on met tout dans un coffre, il y a tout qui part, on est content, il y a tout qui est cuit. Voilà, ça c'est bien plus pratique. On va faire la sortie aussi ensemble. Alors bien sûr, j'ai pas de fer. Usine à fer que j'ai pas fini. Je devais la finir pour cet épisode pour vous montrer qu'elle fonctionnait. Mais comme un boulet, j'ai mis la nourriture donc au niveau des villageois. Sauf que comme l'eau n'était pas activée, les villageois pouvaient pas attraper la nourriture. Et ces abrutis, vu qu'ils ne peuvent pas le... Oh là, j'ai mon casque qui fait des bruits bizarres sur ma tête. Il est pété un moment. Ah, voilà. Et donc, comme les villageois sont des abrutis et qu'ils peuvent pas lever leur petite papatte pour aller chercher la nourriture qui est un bloc au-dessus, j'ai paumé 4 stacks. Oui, vous pouvez m'insulter. Là. Ficelle. On va y faire juste une petite sortie avec... J'oublie tout. Je sais pas ce qui m'arrive. Hop. Ça change pas d'habitude. Vous avez raison. Mais t'es pas obligé de le dire. Là, il faudra que je mette une... Ah oui, non, ça va être relou. Ça va être relou. Voilà. On va y faire donc un petit système redstone. Enfin, redstone. C'est vite dit. Comment est-ce qu'on va camoufler ça? Ce qu'il faudrait en fait. Popopo. Ah, ça, j'avais pas pensé. J'avoue. J'avoue. Redstone. Bloc. Bien sûr, bouletto que je suis. Crochet. Enfermé. On sort. On va mettre directement crochet, bloc, fil. Ça fonctionne. Sauf que le fil, on le mettra après. Et la petite trappe. Alors, faut pas la mettre de ce côté, mais de l'autre côté. Parce que quand on va, en fait, quand on sprint, il fait déjà nuit, c'est extraordinaire. Quand on va vouloir sortir, on va sprinter, on va se coller au mur, et si la trappe, quand elle se ferme, est collée à ce mur-là et pas à celui-là, on va se cogner à la tête dedans et on va avoir des gros bleus, on va pleurer. Merci. On va descendre. Voilà. Et on va mettre le fil. D'accord. Sauf que, bon, voilà. Bouletto. Donc, on sprint, on attend, hop, on sort, et on peut même d'ailleurs, bon là je mettrai un bloc, un truc, pour camoufler la redstone, on peut même, si on veut, et qu'on est feignasse, hop, ne pas bouger, je touche pas le clavier, et comme la trappe se referme automatiquement, on ne retombe pas dans le trou comme un poulet. Voilà, on va, parce que ça fait déjà 8 minutes. Donc, premier petit système aujourd'hui. Donc, ceci que je vais vous montrer, c'est moi qui l'ai trouvé, mais bon, je suis pas le premier, hein, donc ça existe partout, mais je me suis pas inspiré de rien. J'ai tâtonné, hein, à tâtons, qu'on tâtonne. Non, c'est pas du tout un dicton ni rien. Je vais aller me stuffer. Allez, on va aller changer. On va poser nos abris de Bob le bricoleur. Parce que je vous rappelle, ça c'est pas du tout mon armure entre guillemets voilà, entre guillemets d'attaque. Allez, voilà, ce stuff. Donc bottes, pantalons et casque, ça sera mes armures définitives. Donc je vous les montre pour me dire, je pense pas que j'ai oublié quelque chose, hein. Je pense que j'ai tout mis, la protection, la solidité, enfin tout ce qui est possible. Par contre, le plastron, je rajouterai Thorns 1P4, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On va descendre. Moi je prends pas les escaliers. Faut que je casse la rambarde. Ouais, non. Un peu un guerrier, moi. Comme vous voyez, j'ai pris de la nourriture à plus savoir quoi en faire. Simplement parce qu'on va aller faire du PVE. On va aller chercher le contenu du petit coffre qui se trouve ici. Tadam! Aujourd'hui, on va se taper un petit wither. Voilà. Décidé comme ça. Et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Donc on va prendre une petite potion, bon après voilà, vous l'avez vu en plus, potion de respiration aquatique, quand je vous ai dit qu'on allait faire beaucoup de PVE, magnifique, l'interphone, à tout de suite.
Re, désolé. Donc on va aller donc se taper un petit Wither, et après vous l'aurez compris, on va aller se taper deux gros Elder Guardian. Vous m'expliquez pourquoi il y a un poulpe coincé dans la montagne? Vous ne pouvez pas, moi non plus. Pour aller se taper le Wither, on va la faire à la Haie-Pierre, on va descendre dans les grottes, je trouve ça beaucoup plus simple. Oui, voilà. Par ici, absolument rien de précieux. Précieux. Je suis en couche 18. C'est un peu petit, mais c'est pas, c'est un peu bas. Parce qu'après, il y a les. Ah, c'est foireux, ça. C'est foireux. J'aime pas les silverfish. Oh, mais il y a que ça en plus. Hey, vous imaginez, j'ai un. Comment ça s'appelle? Un Stronghold en dessous de chez moi. Ouais, non, faut arrêter de rêver. Donc, on va se taper le petit Wither ici. Hop. On va faire un petit trou, une franquette. Hop. On tardera pas trop non plus pour l'Ender Dragon. Parce que bah, je veux pas que ça offert. Pourquoi vous m'attaquez pas? Ah si, ça y est. Oh, ils sont des millions! Pourtant, je les one shot. Pourquoi ils viennent m'agresser? Oh, vous êtes relou! Oh là là! Oh là là, mais ils sont des millions! Vous pouvez pas venir dans l'eau? Bah non! Bah non! Vous êtes trop nul! Bah oui! Ah non, je les one shot pas à l'épée! Je dis aussi, pour ça qu'ils repopent! Voilà! Astuce, hein, pour ceux qui ne savent pas, faut les. Le coup de les taper à la pioche, c'est une rumeur. Ça n'existe pas, ça ne sert à rien. De taper des silverfish à la pioche, ça n'empêche pas le repop d'autres silverfish. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'en entends d'autres. J'aimerais savoir où ils sont. Parce que si pendant que je me tape le Wither, ils vont venir m'agresser, ça va pas le faire. Je vais pas être bien. Je sais pas où ils sont, on s'en fout. C'est quoi? Je m'emballec. Hop, on va faire ça là. Le monsieur, on va le faire spawn. On va mettre ça ici. J'ai pas de potion de régène, mais bon, à mon avis, c'est pas non plus hyper utile. Pourquoi le coup de la source d'eau, je la sens pas en fait. Hop. On va bloquer ça. Voilà, un poulpe qui meurt d'asphyxie comme un débile. Qui me loot les trucs dont je m'en fiche complètement. Mais ils sont où? Enfin. Oh. Lol. Toi. Mais enfin les gars, va falloir arrêter. À la fin. Non mais oh. J'ai pas la bonne macro en fait. Ne. Voilà. Bon, je vais. Je pense que je vais aller chercher le silverfish là parce que j'ai peur en fait. J'ai pas envie que qu'il se passe un truc mal. Bon, en même temps, avec les armures que j'ai, ça m'étonnerait. Ouais, c'est quoi? Rien à faire. Jour pépère. On se cache. Quand tu veux. Merci. Ok. J'ai une force. Ah
Oh! Oh! Oh, je suis pas bien! Alors, je savais pas qu'ils étaient aussi durs que ça en 1.9. Elle est là, l'étoile du Nether! Bon, bah voilà! Ouais, alors, le coup du plastron P3, c'est moyen. Pour ça, non, c'est mauvais. Non, protection 3, ça suffit pas. Bon! Eh bien, on a notre petite Nether Star. Il m'en fallait une pour un beacon Ast. C'est quand même beaucoup plus pratique. Ouais, c'est beaucoup plus pratique en fait. Pour creuser et tout, c'est beaucoup plus simple. À un moment, quand même, j'ai pas été bien. Ah non, non. Non. J'ai vu ma vie défiler. Ah ouais, j'avais quand même le KFC tout près. Hein, mais bon, après, couche 18, il en couche 64. Bon. M'étonnerait que. Qui monte jusque là. Je vais réparer mon plastron. Et on va partir en moins 4, en moins 104. Attendez. Je sais plus. Moins 1400. Voilà. Allez, à tout de suite. Tadam! Bon, elle est en sécurité. Et puis on va y aller. Moins 1400. C'est par là-bas. Allez. Je veux pas faire le chemin avec vous parce que 1400 blocs, puis je dois descendre encore de je sais pas combien. Vers le sud, c'est trop long. Ah ouais, non, c'est trop long. C'est beaucoup trop long sur YouTube. Donc, bah, tout à l'heure. Je vous reprends. J'ai une notif de Twitter. Oui, parce que ce matin, j'ai tweeté que Orange. Me pissait toujours autant dessus et que j'arrivais qui limite me coupait la connexion. Et là, je viens de voir, il y a un conseiller Orange qui me fait: en quoi puis-je vous aider? Mais va te faire mettre. T'as pas. Enfin bref. Bref. Je sais qu'il y a eu des soucis aussi avec Bouygues Telecom, donc bon. Je suis pas le seul, mais bon. Bref, je vous retrouve là-bas. Oh là. Je vais me taper des slimes dans un marais. Bon, heureusement, je suis sous. Oui, parce que il commence à faire nuit. Je suis à 300 blocs en hauteur. Enfin, dans l'axe nord-sud. Mais je vais me taper des slimes dans le marais. C'est le deuxième que je me pique le marais là. C'est. Heureusement que je suis sous Depth Rider pour les bottes et potes de speed pour aller plus vite, parce que sinon, mais ce serait juste l'horreur, quoi. Ah là là. Oui. J'y vais limite plus vite dans l'eau que sur terre, quoi. Ah, lâche-moi. Tu vas perdre. T'as perdu. Alors? J'avais dit quoi? Je suis pas là. Non, 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 non. Puis je m'en contrefous. Maintenant, j'ai une usine à slime. Casse-toi. Casse-toi. Tu pues du cul. Dégage. Pue de la schneck. Hein? SOS. Faire violer. Je vais perdre mon buff de speed dans 3 minutes. Je vois pas l'effet en plus en haut. Alors oui, je me suis arrêté pour me taper quelques cochons sur la route. Hein, 42 steaks. C'est pas trop trop mal. Pas dégueu. Ok, c'est la réunion des Endermen ici? Oh, pas les regarder. Pas les regarder. Oh, ne pas les regarder. Ne pas les regarder. Tu m'as regardé. Tu m'as regardé aussi. J'avais oublié que dans les Rouge Forest, c'était la Troisième Guerre mondiale aussi. Ok. Os! Manger, 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 manger. Se barrer. Je suis pas là. Non, 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 non. Par contre, ta gueule. Non, ta gueule. J'essaie juste de méditer sur des herbes volantes. Tu me laisses? Bon. Ah,
Non, vous êtes relou, les gars. Vous avez pété mon armure avec vos conneries. Non, arrête, arrête. La hauteur est mon ami. Je m'arrête, je m'en fous, je vais perdre mon buff. C'est. Vous voyez à quelle coordonnée je suis? En moins 1318, moins. Non, en moins 1318, 1300. 31. Je ne me suis tapé que des marais, que des extreme hills et que des putains de roof forest. Hein. C'est, j'ai eu une petite forêt de bouleau, mais c'est tout. Enfin bref. Voilà, c'est quelque peu ennuyeux tout cela. C'est beau quand même Minecraft. Hein. Même sans texture pâte, c'est beau Minecraft. Si, si, si. Bon. On n'est pas loin, on est à genre 500 blocs, même pas. On est bientôt arrivé. Je devrais être pas loin. Je devrais pas être loin du tout, même. Je devrais y être. Vous voyez le coup, il n'y a rien. Prot, nique ta mère. Vous croyez, il n'y a rien. Vous croyez que certains trucs, c'est je, ça dit bon, ça dit vrai le site Mine Atlas et d'autres non. Non. Vous y croyez ça? Non, puis c'est pas possible, on est dans un biome océan. Vous imaginez? Normalement, il y a deux temples par ici, un derrière là-bas et un par là aussi normalement. Gros, j'aimerais bien avoir un au moins quoi. C'est lumineux là-bas. Pourquoi c'est lumineux? Pourquoi c'est lumineux? Juste parce que c'est l'horizon. Même pas dans un deep océan là. Voyez le coup, je me suis fait baiser. Attendez, je vais vous montrer. On est sur Mine Atlas et donc voici ce que moi j'utilise pour donc situer les un petit peu ce que je suis. Là, là il a eu la Witch Hut, elle est réelle, elle existe vraiment. Ce village-là, je crois qu'il n'existe pas. Alors. C'est ce chien de monument, vous croyez qu'ils y sont ou pas? 1912. Et l'autre, il est en. Vous croyez vraiment qu'il n'y en a pas? Vous croyez que je me suis fait baiser? Ça serait là-bas. Vous croyez vraiment que je me serais fait baiser? C'est dit 1.8. Je suis en deep océan, c'est possible. C'est possible, putain, les gens on y croit. Les gens on y croit. Il devrait être là. Il y est pas. C'est ça? Non. Bon. Eh bien, les gens, je crois que je me suis fait baiser. Baiser par un site qui marche de temps en temps et d'autres non. Et des fois de. D'autres fois non. Bon. Eh bien, ça sera un petit fail aujourd'hui. Non, mais vous y croyez. Non, c'est pas possible. J'avais noté. Non, ça c'est les coordonnées de la Witch Hut. Je suis dans un putain de deep océan, ça doit marcher normalement. Oh, ta maman, putain. C'est dégueulasse. Bon, je vais explorer 5 minutes à l'arrache et puis je vais voir si je trouve quelque chose. Non. Ouais. Bah, je vais voir.
Oui, vous l'avez vu et je vous le cache pas. Oui, j'ai changé de game mode, puis je me suis TP et j'ai rechangé game mode mon game mode en survie. Alors, je le cache pas, je m'en fous, mais de toute manière, ce monument-là, on va regarder, mais je vais vérifier, mais je vais vous montrer d'ailleurs avec vous. On est en donc 300, 307 000. Vous voyez, en moins 307 000 à peu près. À peu près, hein, même à 600 blocs près, on est au milieu d'une ice plain. Donc, ça vous prouve bien que j'ai trouvé ce temple seul, moi, en marchant. Je suis venu d'ailleurs, oui, je me rappelle de ce style-là d'ailleurs, ici à pied, il y a longtemps, enfin, il y a longtemps, je sais pas combien de temps, et j'ai trouvé ce temple, j'ai noté les coordonnées sur un truc, et donc on va y aller aujourd'hui. Je m'y suis TP, mais pour la simple et bonne raison que les deux temples notés et prévus. Oh putain, il m'a fait peur ce connard. Sur mon papier. Bah déjà, il y en a un au milieu, en haut, donc comme ça, on est certain. Allez. On rentre. Bien sûr, c'est fermé. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre entrée? Aïe. Ça s'attaque aux poulpes, ça je le savais. Je vais pas relancer mon compteur. On se mettre aux côtelettes. On essaie le coup du saut de lait? J'y crois pas, mais on s'en fout. Oh non! Non, mais non! Ça a pas marché! Oh, déçu. Oui, je suis déçu. Bon, c'est pas grave. On va miner comme ça. C'est long, mais on va y arriver. J'ai une fiche 6-5, je crois. Bon, ça va, quoi. C'est pas horrible, horrible. Ça se fait largement. Donc on est parti. Alors oui, j'ai un petit peu triché, entre guillemets. Hein, voilà, je suis passé en game mode, je me suis téléporté, mais bon. Dans la mesure où un site vous plante, j'y suis allé à pied, hein. Je vous ai montré d'ailleurs des séquences où je me faisais violer par des squelettes et tout, pour aller au chemin des autres temples. Donc bon, dans la mesure où un site Minecraft se plante, vous n'avez pas vraiment envie d'être clean avec le jeu, quoi, entre guillemets. Alors, donc on est un temple guardian, pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas du tout. Et donc dans ces temples-là, il y a des petits guardians comme ça. Et voilà, des gros guardians comme ça. Qui font pas des masses mal. Voilà. Donc on en a un. Donc on était dans l'aile sud. Peut-être y en avoir un ailleurs. Hop, on mange. On peut poser ça là. On récupère la vie. Enfin le. J'aime pas avoir ma barre de respiration entre guillemets vide. Non. On a fait le tour, je crois. Bonjour, toi. Tu m'as l'air bien mignon, tiens. Voilà. Petit éclat de prismarine. Et une éponge. Éponge que le premier ne m'a pas looté. Étonnamment. On s'en fout. Et le dernier, il est en haut, je le sais. Le dernier est en haut. Alors. Ah, donc on a la salle aux éponges, déjà.
Celle aux éponges, je crois qu'il y en a deux dans une ou deux, ça dépend. On va essayer de la faire comme ça. Même si, à mon avis, je vais pas y arriver. Est-ce qu'il y a un chemin qui monte? Ok, ah là ça monte un peu plus. Dans une chambre inutile. Ok, on va voir. On va voir là. On essaie, on teste, on voit. Ça fait 27 minutes. On va voir. Est-ce que. Donc on l'a vu, on a vu ses pics dépasser. En rentrant. Enfin. En essayant de rentrer. On va voir. Relou. Relou. Oui, moi je dis mining fatigue, pardon, mais c'est fatigue de minage. Hein. Pardonnez-moi. Ah, là c'est on a tué le premier, donc il m'avait bel et bien loot des éponges, mais que j'avais oublié de prendre comme un tardos. Tu peux me lâcher, s'il te plaît, merci. Qu'on va remonter. Combien j'ai? 3 minutes d'apnée. J'ai encore une potion, je crois. C'était gratuit. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ressort? Et que. La sortie est juste là, par exemple. Je sais pas si on va le voir encore. Vous voyez, on voit le bout de sa queue, en fait, qui dépasse là. On va pas y arriver. C'est trop lourd, les gars. Et on mine. Voilà. C'est long, mais ça se fait, hein, comme tout à l'heure. Hein, vous l'avez vu d'ailleurs. Il me restait un bloc à casser. Je l'ai cassé à la main avec Mining Fatigue. Allez, on peut le faire. Allez. Je suis certain qu'il est là. S'il n'est pas là, il a des pops. C'est obligé. Obligé. Bah tiens, coucou toi! J'avais dit quoi? Oh, il me fait tellement pas de dégâts. C'est abusé. Voilà, pépère. Nos petites éponges. Qu'est-ce que. D'accord. Bon, j'avais repris du poulet au fait, hein, ça je vous l'ai peut-être pas dit. D'ailleurs, on va acheter le poisson. Ça, on en a un qui nous attend là-haut. Potion de force, j'en ai pris, mais je vois pas pourquoi. Le lit, je m'en fous aussi. Vision nocturne au cas où, mais en fait, j'ai affinité aquatique et apnée 3 apnée, donc à mon avis, c'est ça qui m'aide. Et j'ai 2 minutes 30 de mining fatigue, on va attendre un peu. Et on va utiliser notre petite soie. Hop. J'ai pas de seau de lait, non, mince, dommage. Dommage, dommage. C'est pas grave, on va attendre. C'était du Mining Fatigue 3 qu'on avait. C'était chaud quand même. On prend ça parce que c'est utile et c'est beau, c'est classe, c'est moderne, c'est minimaliste. Hop, on prend ça, on pille, on va chercher aussi les éponges et on se retrouve à la maison. Je vais juste. Non, pas vision nocturne. Respiration aquatique, voilà. M. Qu'est-ce que tu dis de ça? Voilà. Alors, je me suis téléporté, hein, comme vous voyez, je me suis re-téléporté, je vous le cache pas, hein, voilà, je peux clear le ch je clear le chat, mais je vous le cache pas, je me suis re-téléporté pour revenir chez moi, parce que j'en avais marre, parce que clairement, ça me saoule. Un site qui vous demande le site d'une map, le seed. S2ED et qui vous donne de mauvaises coordonnées, ça me saoule.
Donc c'est pour ça que j'ai pas mangé très peu, pour ça que j'ai mangé très peu de nourriture. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai ramené, des éponges, j'ai trouvé deux salles à éponges. J'ai pris des lanternes, des 6 lanternes et les 8 blocs d'or du centre, ça fait toujours ça de prix. On crache pas sur 8 blocs d'or. Non. Là. Donc voilà, on va poser les potions, les popos, les sanctions, les potions. Voilà, ça fait plaisir, petite. Petite expédition, c'est pas mal. J'ai bien aimé, moi, je. Je referai peut-être ça pour autre chose ou quoi, je sais pas quoi. On récupère notre stuff. On va poser ça dans un coffre. Dans un coffre, oui, j'ai tout mis en. J'ai tout mis pour la salle. On va prendre ça. Hop, donc la salle, je ferai les coffres et tout ça seul. Parce que c'est plus compliqué. J'ai pas trop envie de le faire avec vous parce que c'est long à faire, c'est redondant quoi, poser des coffres et tout, enfin. Et tout ce qui est le système derrière, c'est pareil, c'est relou, donc bon, voilà. Donc on va s'arrêter là, on va pas faire de système, le système du duplicateur là-bas ensemble aujourd'hui, finalement, voilà, on n'a pas le temps, ça fait déjà plus de 30 minutes d'épisode, donc on va se dire au revoir, ça aura fait donc un. Un petit épisode sympa quand même avec donc le début de la salle des coffres qui est pas bien, pas mal, elle s'annonce bien. Et puis on aura fait un Wither, un Temple Guardian et tout. On aura buté 3 Elder Guardian. On est content, on va aller. On a toujours notre petite étiquette qu'on va rentrer à la maison parce que le pauvre il est dehors, il prend la pluie souvent. Là je vois ses bourriffés. C'est bourriffé ? Je sais pas, on s'en fout. Il y a là mon petite étiquette. Ils sont contre-fous, c'est moi. Il est où ce con ? Oh là, mais qu'est-ce qu'il est débile ce chien. Je crois qu'il se tépait pas sur les carpettes. Ah, mais oui, mais il est à moins. Il est. En fait, en hauteur, il a. À moins de 12 blocs, donc forcément il se tp pas. Voilà, monte. Non. Monte. T'es con comme chien, toi. T'es un peu con, hein. Pourquoi il veut pas? Ça te va, là? Non, ils sont contre-fous. Eh bien, messieurs, dames, on va le laisser ici, dans la salle à manger, et nous, on va aller se changer. Hop. On va enlever notre armure de guerrier. Voilà. Et on va s'habiller en tenue de week-end. Jean et t-shirt. Voilà. Je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le pouce rouge si vous avez plu. Je vous fais de gros bisous. C'était Lanou. A bientôt pour les prochains épisodes sur Pinocorp. Je vous fais de gros bisous, on va faire un petit câlin à mon chaton, qui n'est pas encore nommé, on s'en fout. Voilà, tu es mignon. Allez, bisous, c'était Lanou. Oui, moi aussi je t'aime, oui, 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 oui. Lanou Pinou.